famille. Hi guys. Hello everyone. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Mbote na bino nyonso bande konangai. Leo na osa ambisi. So I actually watched it already. As you can see, I'm making quite a lot. Quite a few. I think there are 5 inside. Quite big ones. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Donc je vais faire ça sur un barbecue. Donc aujourd'hui, on va faire les poissons Thompson. Voilà, c'est déjà bien nettoyé avec du citron vinaigre. Là, maintenant, j'ai mes ingrédients. Je vais utiliser pour le marinage. Donc voilà. I'm using the spring onion, coriander. I've got ginger over here. I have garlic. I've got onion and lemon. And over here, I've got my spices I'm going to use. Old Bay seasoning is for meat, fish, and also chicken. You have the old seasoning, the Knorr. So this is my spices that I'm going to use inside the fish. And also I'm going to put some olive oil. And voila! I'm going to blend all of this in my little mixture right there. And voilà, donc voilà la famille, on va mariner notre poisson Thompson, les fameux poissons que j'adore. Et tout ça, c'est mes ingrédients que je vais utiliser: coriandre, ciboule, le gingembre, l'ail, l'oignon et le citron. Donc ça, c'est les épices que je vais utiliser avec l'huile d'olive. Donc je vais mixer tout ça dans mon petit mixeur ici. Et on va mettre sur notre poisson. Donc voilà la famille. There we go guys. We're going to have a yummy yummy dinner today. I'm super excited when I'm going to sit down and eat these babies. So I'm going to put my onions. I've already got my ingredient. Onions in there and garlic. This is going to be so tasty. I can't wait to eat this. Let's bring in the big giant baby. Okay. Donc on va mettre là-dedans. Coriandre aussi. J'ai fait juste... Je coupe un peu plus grand. Voilà. Je vais mettre vraiment un tout petit peu d'eau parce que vous ne voulez pas trop d'eau dans les poissons. Les citrons, je squeeze dans les poissons comme ça. Voilà. Je mets l'autre parce que j'ai beaucoup de poissons. Mais sinon, vous pouvez juste manger avec. You can either eat with your lemon or you can squeeze it in it. Alright, so I added a little bit more water and some of the olive oil inside, yes, inside. Donc là, on va mélanger avec notre poisson. So I'm going to pour this on my fish. Comme ça. Ça sent très très bon. The ginger. The onion, the spring onion, the garlic. Ça sent très bon. Oh, mais on a zion, on a poko, oh, on a beta, on a fufu, eh, nzambe. Nzambe za loko. Donc là, je vais mettre mes épices. Je vais d'abord mettre l'huile. Parce qu'on a besoin d'huile, comme ça, ça ne va pas coller. Adding oil so it doesn't stick to our barbecue. Adding nutmeg. So the quantity depends on how many you are doing. I'm making quite a lot. So I add a lot. I'm adding some of this for more flavor. All purpose seasoning. Not too much because this is very salty. So I don't add too much. Ça c'est salé, j'ajoute juste un peu, pas beaucoup.
par rapport à mes poissons. Voilà, c'est tout ce que je mets. Et je mets Old Bay Seasoning. Ça aussi, pas beaucoup non plus. Je crois que je vais ajouter un peu plus, un peu de paprika dedans. J'aime bien les paprikas, ça donne une bonne couleur aussi. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon. Bon, j'ai mis à l'intérieur aussi. On mélange tous nos épices partout, partout. Faites attention aux écailles. Be careful, don't let the fish sting your fingers. Donc là, maintenant, on va laisser ça mariner pour au moins une heure. We're gonna let it sit for at least an hour au frigo, in the fridge. So we can get those flavor inside our fish. Look at that, it looks so good. It smells really nice. Oh, I can't wait to eat this. Voilà. Ça a l'air très très bon. I can't wait to eat this tonight. I'm going to put it in the fridge and come back later. Alors aujourd'hui, Ezoyinda Bandeko, bienvenue, bienvenue tout le monde. Welcome, welcome, welcome everybody. It's my birthday. Maintenant, on va mettre ça sur le barbecue. Miss Thompson. So we are cooking fish Thompson on the barbecue. I love this. The smell is amazing. I just want to eat them already. So yeah, guys. So it's gonna be so... Oh, my mouth is... Oh, I can't wait to taste this. So, j'ai mis un peu d'huile, comme ça, ça glisse, comme ça, ça colle pas. So, here we are. Je suis contente et j'ai faim. Voilà. Ouh là là. Oh, yes. 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 Oh, yes. Oh, the smell is so good. Mm. I like that smell, barbecue smell. Oh yes. Donc, mais le coyinda, coyinda grave. Oh yes. Donc, je m'assure que mes fiches aussi bien la carte à laisser. Bien sûr que c'est bien entré dans les poissons là. Oh yes. Oh, oh. That smell is good. It's amazing. Guys. Oh yes. Come back here. Voilà. Maintenant, on va le fermer. Voilà. Hey, son orguito quoi, tu sens déjà l'odeur, non? Ça sent bon. Hey, son orguito quoi. Son orguito m'a cassé. Ça sent très très bon, guys. La famille. On va voir d'abord. Hey, Fabien a à peine de commencer. Ok, donc on va laisser ça cuire. En attendant, je vais aller faire mes légumes. Je vais faire mes plantains. So we're gonna be patient, but not too patient because I'm really hungry. I want to eat. Nice. Okay. So in the meantime, I'm going to do my veggies. Yeah. L'effet était un peu trop, j'essaie de viser l'effet à côté. Je vais mettre un peu d'huile juste comme ça, ça va se détacher facilement. Mm-hmm. So I'm putting a bit of oil on the fish.
so you can remove it itself easily when I'm ready to take it off. The fire was a bit too much, not too much, but it was a bit too hot. So that's why this bed is a little bit browny. But on the other side, it's perfect. I mean, anyway, I reduced the fire. The fish is ready. We are taking it off. It's looking good. Oh my Lord. Thank you, Lord, for the food. Hey, Yeshua. Ouh, j'ai perdu un œil là. Eh, ton lien, mouvement grave. C'est bon. Ouh là là. C'est très bon. Tiens, tu vois, tu vas aller par là. Voilà. Hey! Hey! Le poisson est fait. À côté, on a les bits tekutekou. Our fish is ready. It's looking good. I'm super excited. We're about to eat. On va manger la famille. On va bien, bien, très bien manger même. À côté, on a les bits tekutekou. J'ai fait vite tekutekou, il y a maï maï, donc du tekutekou, c'est the green veggie kind of a spinach, but it's not spinach, it's Congolese vite tekutekou. So vite tekutekou derrière à côté, et là on a notre poisson, je vais amener mon foufou. Hey! So guys, as you can see, my dinner is ready. This is what I wanted to eat for my birthday. Yay! So I'm eating fish, giant fish. I have the bitekuteku here. I've got my super yummy chili. I've got some plantain, of course my fufu. And I also have my tembele, which is another type of vegetable. So this is what I really wanted to eat on my birthday. I'm super happy. I'm super excited. Oh my Lord, have mercy. Donc voilà la famille, je vais manger, on va manger, je voulais manger ça pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai fait les poissons, notre famille Thompson, j'ai les bitekutekou ici, ça a l'air très 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 bon. Les piments à côté, les plantains et les matembele. Donc j'ai les foufous, donc je suis vraiment vraiment contente. Je vais manger, je vais très 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 bien manger. Lord have mercy. Et puis j'ai des bulles, oh, j'ai des bulles ici. Donc je vais boire un peu. Je vais remercier tout le monde qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Les gens qui m'ont appelé, vraiment merci, merci, merci beaucoup. Je vous aime tous. Merci beaucoup, ça me tient vraiment au cœur que les gens pensent en moi. Je vais remercier Maman Joséphine de Londres, Maman Mamanaesu. Je t'aime beaucoup ma mère, merci, merci, merci. Nengo linga kingana za mwana na yo, o garde ngana libumo, no botingai. Merci vraiment Nzamba pambola yo. Mes gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous remercie beaucoup, je vous aime tous, je vous tiens vraiment au cœur. Merci, merci, merci pour les birthday wishes. Thank you so much, guys.